Et nous voici au Walt Disney Studio pour un mini vlog, car le parc est vraiment en grosse réhabilitation, donc il n'y a pas grand chose, mais on va voir ce qu'il y a déjà. Juste personne, c'est trop bien. Alors pas très chaud du coup, hein. La petite scène avec la télé qui fait peur tout le monde, il n'y a rien. Définitivement la meilleure attraction de ce parc, je rappelle, trop bien, vraiment chaque cage, donc gauche, milieu, droite est à faire, c'est vraiment excellent, des chutes, à chaque fois on est surpris, c'est génial. Alors comme vous pouvez le voir, le tram tour n'existe plus, il a disparu, son entrée sera sur la droite bientôt, évidemment là ça va être la future extension du parc. Voilà à quoi ressemblera la Reine des Neiges. Donc ça c'est pour 2024, on va dire ça, c'est le plus simple. Et le premier arrivé des Landes, donc ce sera Marvel avec ça c'est Rock'n'Roll qui sera refait sur Iron Man, et Armageddon qui a disparu et qui est qui sera Spider-Man. Le Land Marvel, donc qui est en train de tout être refait. Normalement c'est pour l'année prochaine, si tout se passe bien. Donc à droite, ce sera Spider-Man. Un peu un système à la Buzz l'éclair. Et au fond, le célèbre Rock'n'Roll Coaster qui est remplacé par Iron Man. Bon, le vrai seul land au complet, c'est Toon Studio, évidemment. Bon, et bien à cause de ce Covid, pas de spectacle à Disney. Donc le meilleur spectacle pour moi qui est Mickey le Magicien n'est pas disponible. Mmh.
Alors moi je dis vive le Covid, 35 minutes à Crush Coaster, c'est du jamais vu, on en profite, c'est génial le Covid, c'est la meilleure journée à Disney. Alors là, c'est l'un des lands les plus jolis des Walt Disney Studios, Toy Story Playland. C'est par ici en fait, juste entre Toy Story et Ratatouille, qu'il y aura l'entrée pour le nouveau tram tour. Ce sera sur le thème de Cars, rethématisé, donc ça devrait pas trop tarder normalement. Avec le Covid, on sait jamais. Voilà, voilà, et là on arrive évidemment dans le plus beau land des Walt Disney Studios. Le Land Ratatouille avec ce super dark ride, un super restaurant, le meilleur restaurant ici, le bistrot de Chérémy, qui est le meilleur restaurant du parc. Et il y a 5 minutes à Ratatouille. Bonsoir et bienvenue à Paris, la ville lumière. J'espère que vous n'avez pas trop mangé avant de venir, car Rémi s'affaire à vous concocter une de ses spécialités maison dont il a le secret. Et je suis certain que vous reconnaîtrez avec moi que, dans la vie, quand l'appétit va, tout va. Alors, bilan de ce petit vlog Walt Disney Studio avec le Covid. Bon, ce qui est vachement bien, c'est qu'il n'y a personne. Donc, se faire Crush Coaster en 35 minutes, en plein été, c'est du jamais vu, évidemment. La tour, zéro queue. Ratatouille, zéro queue. Bref, c'est hyper agréable. Mais du coup, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'attractions, au vu de toutes les réhabilitations et travaux, on y fait vite fait le tour. 2 à 3 heures maximum. Donc voilà, payer le prix fort juste pour faire ce parc là, non, à éviter. Mmh.